Vous envisagez des commandements. Alors, je vous ai entendu, vu les données en conférence. Vous êtes monté à 11 commandements. Oui, oui, j'ai repris les 5, j'en ai rajouté certains. J'ai joué sur le chiffre pour éviter de tomber dans quelque chose de déjà connu. Vous avez évité les 10 commandements. Voilà. Alors, ce sont des commandements autour de l'éthique sur « tu ne divulgueras pas mes données à n'importe qui », par exemple, voilà, en estimant qu'on pourrait avoir un moyen de les garder localement sur la machine. « Tu oublieras tout si je te le demande », le droit à l'oubli, ça c'est aussi très compliqué. Donc, je parle comme ça, ça a l'air d'une petite phrase. Mais derrière, pour le mettre en œuvre, c'est pas évident, on le voit, les gens. Oui, d'autant que s'il a une entreprise, aujourd'hui, on ne se voit pas demander à Google, tu vas oublier tout ce que tu sais de moi, par exemple. Par exemple, le consentement éclairé, c'est de dire, oui, je vous donne mes données, mais c'est aussi le droit de les reprendre. Donc, comment on fait ça? Oui. Voilà, Donc, c'est une question qu'il faut se poser et que je poserai à Google bientôt. Tu pourras te déconnecter d'Internet si je te le demande. Donc ça, c'est imaginer qu'il y a du hacking où on a eu peur de quelque chose à un moment donné et on peut rester en local. Donc ça veut dire que cette machine marche aussi en local. Tu seras régulièrement contrôlé pour évaluer ce que tu as appris. Donc c'est l'idée d'apprentissage en continu et finalement d'aller se doter d'outils ou de, je sais pas, ma voiture, je la fais passer de temps en temps au contrôle technique. Est-ce qu'il y a un permis pour les robots avec un contrôle technique? Des idées peut-être farfelues, mais on pourrait imaginer des choses. Tu pourras toujours m'expliquer tes comportements si je te le demande. Donc ce côté un peu transparent, explicabilité, qui est pas du tout simple. Parce que le deep learning, c'est effectivement une machine, on peut pas expliquer facilement. Mais on le sait. Donc, ce qu'il faut, il faut contourner ça par des tests qu'on sait faire sur des capacités de ces objets, de ces systèmes embarqués. Tu seras loyal, on en a parlé. Tu seras empathique et simuleras des émotions seulement si je le sais. Donc, c'est très intéressant, ça, de dire seulement si tu le sais. Parce qu'en fait, on a pu remarquer à partir d'expérience que le fait de dire aux gens, voilà, vous parlez à une machine dans telle circonstance et ça, c'est simulé par des algorithmes, ne change pas forcément le but thérapeutique, par exemple, de l'objet. Donc, c'est important d'être loyal et de dire ce qui se passe. Tu stimuleras ma mémoire et veilleras à ce que je ne devienne pas trop dépendant de toi. Donc, c'était ce prisme ARIA dont on a parlé tout à l'heure. C'est la machine a aussi une compréhension différente. Elle voit l'interaction et ce qui se passe dans l'interaction à moyen terme, enfin, dans la continuité. Donc, il y a aussi peut-être un rôle à jouer. Tu feras attention à ce que je ne te confonde pas avec un être humain. Donc, ça, ce serait dans sa distance aussi, dans son langage par rapport à l'autre, de dire bon, mais je suis qu'une machine. On l'a vu dans Her. À un moment donné, la personne disait bon, mais je suis. Elle disait, la machine disait, je suis amoureuse de toi. Et après, elle disait, je suis amoureuse de X mille personnes, qui était le choc total pour l'humain qui était en face, qui s'attendait à quelque chose de plus personnel. Tu t'adapteras, tu apprendras à vivre avec des humains et tu t'adapteras aux règles sociales. La voiture, elle apprend les règles de bonne conduite sur le code de la route. Bon, un robot qui serait dans la société et qui agit autour de nous, il faudrait respecter un certain des règles de culture, des règles de morale, des règles de la société. Si je mets un robot avec un petit enfant, je m'attends pas à ce qu'il fasse la même chose qu'avec un adulte. Il y a une nouvelle très intéressante de Minsky qui s'appelait The Baby and the Robot, qui montrait justement, donc j'encourage tout le monde à aller regarder cette petite histoire qu'on trouve partout sur Internet et qu'on trouve aussi dans le livre que j'ai écrit, qui montre bien, en fait, si on met des règles en disant, voilà, les robots ne doivent pas du tout interagir avec des enfants, on peut se retrouver dans une situation où le robot, en algorithme, va trouver que pour sauver l'enfant, il doit sauver les humains. La personne qui s'en occupe, qui est la mère, ne veut pas s'en occuper, donc à un moment donné, il doit quand même, entre deux règles qui interdisent, trouver quelque chose à faire et il va s'occuper de l'enfant pour le sauver. Et du coup, la société s'en rend compte et décide de changer les règles. Quand elle change les règles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils avaient sans doute eu peur au début? C'est-à-dire que les enfants s'attachent plus à des robots qu'à leurs parents parce que les robots sont permissifs. Et du coup, on dit la vraie règle, c'est de faire que le robot soit toujours un cran en dessous des parents pour que les enfants suivent les règles des parents et soient quand même aidés par les robots. Vous voyez toute cette complexité autour de l'adaptation. Et puis enfin, je disais, voilà, tu sera bienveillant et utile, et pourquoi pas doué d'un peu d'humour. J'insiste sur l'humour, c'est pas du tout l'humour humain, puisque c'est effectivement très, très humain de savoir quand on peut rire ou pas de quelque chose. Mais je me dis que si on arrive quand même à mettre des rudiments d'humour ou de distanciation dans les robots, qui puissent les utiliser à bon escient, ça pourrait être utile. En tout cas, il est clair que ça pose des questions de régulation, même de responsabilité juridique, oui. À l'ère notamment des voitures autonomes qu'on commence à voir dans les salons de l'auto, en cas d'accident, l'automobile, le constructeur, l'assureur, tout ça devient extrêmement compliqué.
Mais il y a des dilemmes éthiques hein, qui sont des cas qui sont impossibles à gérer pour l'instant. Hein. Vous allez plutôt acheter une voiture qui va vous dire « je respecte la personne qui est dedans et je préférerais tuer les gens devant » plutôt que de, de vous emmener dans un accident, vous. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? C'est extrêmement compliqué, je n'ai pas de solution. Je pense que c'est des cas qu'il va falloir utiliser, enfin, étudier au cas à cas. Et c'est effectivement très complexe pour la voiture. Hein. C'est pour ça que la voiture autonome, on ne la verra pas forcément demain dans, sur nos routes. Et qui plus est, le plus sage, je pense, pour l'expérimenter au départ, c'est de l'expérimenter tout autonome. C'est-à-dire que le mélange voiture autonome et voiture non autonome, oui. Je ne sais pas si ce n'est pas plus complexe. Alors que les trains de voiture sur autoroute, qui demandent déjà une large technologie, hein, savoir rentrer dans le train, sortir du train sans faire de bouchons, d'accidents, c'est complexe, c'est déjà un premier niveau. Je pense qu'il faut y aller de façon graduelle, hein, puis comprendre les vrais enjeux. Parce qu'en fait, lorsque la machine, on dit voilà, l'humain est responsable, peut reprendre le contrôle, ça veut dire qu'il doit être vigilant tout le temps. Sinon, le temps de reprise en main de la machine, il est trop long pour qu'on soit très efficace. Et dans beaucoup de situations, en fait, on s'attend à ce que la machine soit meilleure que l'homme, parce qu'elle va percevoir avant qu'il y a un souci. Donc, bon, il faut vraiment l'analyser au cas à cas. Il faut monter des batteries de tests pour comprendre ce qu'on est capable de faire ou pas. Sinon, il y a l'aléatoire, comme on dit. Alors, j'évoquais tout à l'heure le dangerous, dull, dirty and dumb. En usine, on est malgré tout bien content finalement d'avoir supprimé des postes résolument pénibles, voire dangereux, pour les remplacer sur les chaînes de montage par des robots. Maintenant, le fait est que dans une période avec un taux de chômage important, ça n'est pas sans poser des questions. C'est la raison pour laquelle on a vu apparaître le robot dans la campagne politique française très récemment, avec une proposition qui est de taxer les robots. Ce qui est intéressant par rapport à tout ce que vous dites justement, même y compris jusqu'à la projection. Oui. On veut les, ouais. Oui, très intéressant pour cet aspect-là. Alors, le vœu derrière, il est pieux. Hein, c'est une taxe Robin des Bois, on redistribue la richesse, ce qu'on voudrait tous. Hein. Bon, maintenant, ça pose un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est si on considère que majoritairement, on aura plutôt des bots que des robots, c'est ce qu'on a pour l'instant, et que ces robots, ils seront en Chine ou aux États-Unis, comment on fait pour les taxer? Oui. Deuxièmement, si on commence par faire ça alors qu'on n'a pas de robots, où va être cette richesse-là qu'on veut redistribuer? J'aurais l'impression, tendance à le dire, il faudrait déjà qu'on développe, qu'on soit des leaders un peu de l'IA pour arriver à partager une richesse qui serait produite par ces machines. Ensuite, le fait même de vouloir taxer les robots par eux-mêmes, hein, comme si c'était des personnes qui travaillent, hein, c'est-à-dire taxer leur travail, c'est les considérer un peu comme des humains. Et ça, c'est très dérangeant. C'est-à-dire qu'on veut, à travers ça, utiliser l'idée de créer une nouvelle un nouvel objet juridique. Hein, on a la personne humaine, on a les objets, on a deux cas dans la juridiction en France, et certains voudraient rajouter finalement un droit, un devoir pour le robot qui aurait une personnalité juridique. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux. Je ne le pense pas toute seule, hein, on est toute une communauté de chercheurs à penser que c'est extrêmement dangereux. À la CERNA, donc cette commission d'éthique dont je parlais tout à l'heure qui dépend d'Alistène, on a fait énormément discours là-dessus. On en a parlé d'ailleurs au Parlement européen aussi, qui au début avait parler de s'intéresser aussi à cet espace-là qui est un peu revenu sur ces considérations. Alors pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que si le robot a une somme d'argent qui lui est dédiée, qui va pouvoir l'aider à réparer auprès de ses victimes, eh bien ça veut dire que les grands groupes pourront faire ça, mais des petites boîtes, par exemple, qui chercheraient à faire des robots, ils n'auront peut-être pas la latitude de développement de mettre de l'argent sur tous les robots qu'ils vendent. Donc, on risque de se retrouver avec des grosses entreprises qui ont des monopoles. La deuxième chose, c'est que si la machine est tenue responsable, est-ce qu'on ira plus loin? Est-ce qu'on ira voir le concepteur de cette machine? En quoi, lui, il sera obligé de prouver pourquoi sa machine serait mieux après? Rien ne va l'obliger à faire ça. Du coup, là, le vrai danger, c'est une décharge de la responsabilité du concepteur sur la machine. Alors, la machine n'ira ni en prison, elle va peut-être verser un peu d'argent et elle ne va pas s'améliorer d'elle-même, on est d'accord. Hein. Donc comment on fait pour que effectivement ce soit le concepteur qui remette en question un certain nombre d'algorithmes ou de principes qu'il a mis en œuvre dans cette machine qui font qu'on a eu ce problème de responsabilité. Donc ça, c'est pour moi l'essentiel. La dernière chose, c'est que plus on va
aller proche de la reconnaissance de ces machines chaleureuses, autonomes, qui peuvent décider, qui peuvent avoir des actions dans notre environnement, plus on va les considérer comme proches des humains, puisque c'est un peu ça aussi. Hein. Il y a des gens qui parlent même du droit, il ne faut pas les maltraiter, il y a la douleur du robot, enfin, on va sur du fantasme terrible. Et bien, plus, en fait, on met aussi un peu en regard notre statut à nous d'humains. Hein. Et je pense qu'il est quand même sain dans la société qu'on fasse attention à garder une frontière entre l'humain qui crée des machines. Ce n'est pas les machines qui créent toutes seules, hein. Même si elles sont capables de coder à un moment donné, ce n'est pas elles qui vont coder des machines plus intelligentes ou faire des choses de création pure. On entend parler aussi de flou autour de l'art, par exemple, la créativité artistique, en disant que les machines sont capables de refaire les tableaux de Rembrandt, etc. Oui, elles copient, mais c'est tout. Il n'y a aucune intentionnalité de création derrière, il n'y a rien de plus qu'une copie. On peut faire de l'aléatoire aussi une machine. Bon, mais je ne pense pas qu'on considère l'art comme quelque chose d'aléatoire. Ou alors, c'est nouveau, ça n'aura pas beaucoup de prix, parce que ce sera facile à faire. Donc, cette barrière entre le vivant, cette frontière en tout cas entre le vivant et l'artefact, je pense que c'est fondamental de la garder. Donc, je suis contre la taxe des robots, même si je suis pour la redistribution des richesses.